l'hiver. Les arbres nus. Je marche. Le sentier. Mes pieds. Mes pieds. Le sentier. Et puis soudain, sur la gauche, à travers les branches, des petites lumières. Des petites lumières en pleine forêt. Quelqu'un habite ici. Vite, la vallée. La vallée calcaire juste à côté de chez moi. Les anciennes carrières souterraines, abandonnées. Un vrai gruyère. Des trous partout. Des trous, 6 mètres de haut, 10 mètres de large. Il paraît que sous terre, ça s'enfonce super loin. Il y a quoi là-dedans? Dark matter, dark matter. Tout autour du campement, suspendu dans les arbres, il y a des objets. Des dizaines, des centaines, des milliers d'objets suspendus dans les arbres. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il accroche tout ça, là? Ça lui sert à quoi, hein? Pourquoi? Chansons, il n'y en a pas. J'ai rien écrit. Parce que ça fait des semaines que je pense qu'à une seule chose, aller voir le tordu. Come on! Come on! Come on! Come on! Pourquoi toujours tu vas toujours vers ces gens-là? Cette nuit-là, Notre-Dame brûle. À la télé, les mêmes images en boucle. Notre-Dame brûle, mais Poil Fourchette, il s'en fout. Et moi, des années, ça fait des années que Notre-Dame brûle. Des années, dans la rue, devant la boulangerie, il y a un type sur un carton. Brûle, c'est dimanche, c'est grasse mat, c'est papa croissant chouquette. Années, et tous les dimanches, années, papa, le monsieur, pourquoi il habite ici? Et moi, pourquoi toujours tu vas toujours vers ces gens-là? Je te souhaite de traverser la peur. Chaque instant épouser l'inconnu. Chaque instant devenir conducteur. Chaque instant encore plus nu que nu. Je te souhaite de bégayer l'obscur. Je te souhaite d'apprivoiser les loups, les brouillons, les ratures. Je te souhaite d'exister.